Monsieur le directeur, il me reviendra en termes d'engagement dans le cadre du financement extra-budgétaire de nos projets, de nous rapprocher de votre banque dans la recherche de financement et d'accompagner une FODEM dans la mise en œuvre de son programme de financement des groupements de femmes et de jeunes. Ce partenariat dénote une opportunité avérée entre la ville de Dakar et Ecobank. Nos deux structures ont quelque part la même cible, à savoir les jeunes opérateurs économiques ou les jeunes à la recherche de financement. Mesdames et messieurs, chers amis, dans le domaine de la réglementation, une nouvelle compétence a été assignée aux collectivités territoriales. Il s'agit de la loi d'orientation 2020-02 du 7 janvier 2020 relative aux petites et moyennes entreprises, PME, publiée au journal officiel du 20 janvier 2020. Constitue la dernière réforme concernant les règles. Elle donne de nouvelles compétences aux collectivités territoriales en matière de promotion et de financement des règles. Je souhaiterais aussi la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire, votée au Sénégal par le Conseil des ministres au mois de juin 2021, qui offre aux collectivités territoriales les possibilités d'adapter des stratégies de promotion, d'encadrement et de financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Monsieur le directeur général, Madame la directrice générale du FODEM, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de la ville de Dakar, Madame et Monsieur les représentants des syndicats, Mesdames et Messieurs, chers invités, la cérémonie d'aujourd'hui revêt une importance particulière, en ce sens qu'elle constitue une étape importante dans le processus éducatif d'améliorer continuellement les services proposés aux citoyens par la ville de Dakar dans sa politique de réduction de la pauvreté, de l'entrepreneuriat pro-féminin et de sa lutte contre l'immigration clandestine. Notre volonté de lutter contre le chômage des jeunes à travers le financement d'activités génératrices de revenus et de faciliter l'insertion des jeunes victimes de la déperdition scolaire et de promouvoir l'employabilité des jeunes au niveau de la ville. Pour relever un tel défi, la ville de Dakar puisse des partenaires financiers qui lui permettront de disposer de financements suffisants pour réaliser ses ambitions dans les meilleures conditions. Entre les citoyens, puisqu'elle favorise la réduction du chômage. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, chers amis, la ville de Dakar occupe 0,23% du territoire national, connaît une forte concentration de population et concentre plus de 80% des activités économiques et industrielles au niveau de la capitale du Sénégal. Ce contexte a amené la ville de Dakar à mettre en place un dispositif de soutien, d'appui, de formation et d'encadrement des femmes et des jeunes dans le projet. Dans cette optique, nous avons constaté la forte demande des jeunes et des femmes porteurs de projet. Nous allons entreprendre avec Ecobank un travail d'encadrement, d'assistance, de financement et de suivi de l'ensemble des projets proposés par les jeunes dans les activités génératrices de revenus. Ces directions et les services techniques et internes liés au programme de l'employabilité des jeunes. Il s'agit du FODEM, la direction de la planification et des conversions, la DAS, la Commission d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la microéconomie, CEPEM, de la direction de l'éducation et de l'insertion, mais aussi de la direction de la formés et financés entre 2020 et 2021, 12 350 bénéficiaires pour un montant de 485 725. Pour compléter le dispositif d'encadrement de financement, la ville a mis en place la fameuse entreprise pour la promotion de l'emploi par la microéconomie. Cette structure forme et accompagne les jeunes porteurs de projets d'entrepreneuriat privé et collectif. Leur assure un service financier à l'issue de leur formation et accompagne la réinsertion à travers la création de leur entreprise. De même,
500 jeunes d'Akawa volontaires ont été dans la cuvette transportale de notre commune et de la ville de la création en service. Dans le domaine de l'économie circulaire, l'agriculture urbaine et les micro-jardins de Dakar, 10 000 personnes ont été formées, suivies et encadrées. Le secteur du bavage nous a permis de créer 2 000 emplois directs dans les 19 collectivités de Dakar, où 150 000 mètres carrés de bois ont été pavés et 5 000 emplois indirects générés pour la fabrication et la prise des bains. 1896 prises en charge à l'étranger et 5955 bourses et aides municipales dans les écoles et instituts de formation pour un montant correspondant à environ 1,760,652,000 ont été octroyés. À cela s'ajoutent les programmes d'aide à l'insertion et à la réinsertion par le biais des projets gratuits dans la formation. Pour 180 millions ont été mis en place pour financer le programme triennal de formation de 1800 jeunes pour l'obtention d'un permis de conduire avec l'objectif de faciliter leur insertion professionnelle. En dynamique, nous finalisons la création de l'école des entreprises et du métier avec la direction de l'éducation et de l'insertion de l'école des entrepreneurs de Dakar. Le financement de projets culturels par le Fonds d'appui aux initiatives culturelles du privé d'un montant de 100 millions. Il faudra que 60 jeunes aux arts visuels numériques et aux métiers de l'image. Je suis heureuse, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, de vous informer que la ville de Dakar a été retenue pour organiser le premier forum mondial de l'économie sociale et solidaire en Afrique. En 2023, Dakar sera la capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire. Je voudrais, avant de terminer, au nom du conseil municipal, vous présenter les meilleurs pour les premières années. Je vous remercie de votre attention. Dakar a accompagné le projet dans la mise en œuvre du format important de visage du produit de Dakar à travers ces études de publication, la réunion de ce matin, le protocole qui est national. Merci à vous.